se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Qui c'est que j'entends dire youpi? Alors, oui, j'en entends pas mal dire, en train de dire youpi derrière son écran. Et double youpi parce que c'est un nouveau DP que j'ai commencé. Voilà. Alors, c'est un DP que j'avais eu il y a déjà un petit moment à la boutique L'Éternel. Voilà, je vous remettrai le lien de la présentation de ce kit. Donc, ça y est, c'est le fameux kit que je cherchais, mes perles, que je ne savais plus où je les avais mis. Mais bon, ça y est, je les ai retrouvées. Là, je l'ai commencé. Donc, il est en perles rondes. Donc, il va aller très vite. Enfin, très vite. Façon de parler, hein, mais il va aller vite à faire. Donc, je fais toujours par carré de 10-10. Hein, comme d'habitude, ça, je n'ai pas changé. Je fais 10 cm sur 10 cm. Donc là, j'ai déjà fait... j'ai filmé déjà un carré de 10-10. Et j'ai continué à avancer un petit peu hors caméra. Et normalement, si j'ai pas oublié, normalement, je vous ai fait une petite photo de ce que j'avais avancé encore un petit peu. Voilà. Bon, il y a beaucoup de noir sur les côtés, mais en perles rondes, ça ne me gêne pas. En perles rondes, ça me gêne beaucoup moins qu'en perles carrées. Voilà, allez comprendre, mais ça me gêne moins en perles rondes. De toute façon, là, pour l'instant, les perles carrées, je les ai vraiment laissées, mis de côté. Il ne faut pas me parler de perles carrées en ce moment. Bon. Là, je veux faire du facile. Facile. Pas de prise de tête. Je veux que ça respire là-dedans. Ouh, qu'il y ait de l'air. Non, non, il faut qu'il y ait de l'air là-dedans. Parce que bon, il y a déjà assez de problèmes comme ça, hein, en dehors de nos petits loisirs, voilà. Donc si en plus je me fais des soucis avec mes DP là, je non, 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 non. Sinon rien de neuf. Hein. Non, que du vieux. Si, bon, j'ai vu mon cardiologue. Je suis bonne pour le service. C'est-à-dire bonne pour l'opération. je suis bonne pour mon opération. Il n'y a pas de contre-indication. Donc, c'est bon, c'est déjà ça. Bon, en ce moment, je suis en crise. Bon, là, ça dépend hein, comment je mets ma langue. je suis en crise, donc il y a des moments où ça fait ça crie, ça coince, ça fait bobo. Là, je vais faire, donc pour l'opération, toujours, je vais faire ma scintigraphie. Alors, scintigraphie le 31 août. Super. Donc, ben, l'opération, je ne sais pas, ça doit être courant septembre, je pense. Je ne sais pas la date, hein, bien sûr, encore, mais je pense que ça va être courant septembre ou début octobre. Enfin, bon, j'espère qu'ils ne vont pas me faire ça trop loin quand même. Tant qu'à faire. Parce que, bon, normalement, j'ai une deuxième opération, mais là, c'est pas grand-chose. Hein. Je vous expliquerai plus tard. J'ai une deuxième opération à subir. Mais là, j'ai rendez-vous en janvier avec le chirurgien. Donc, je ne voudrais pas que les deux opérations soient trop près l'une de l'autre. Mais de toute façon, pour la deuxième opération, il faut que je maigris. Donc, c'est pas pour tout de suite. Oui, là, il faut que je maigris obligatoirement. Donc, bon. Ah, oh, bobo, maman bobo, non, oh, c'est chiant ce truc, je vous jure. Oh. Je sais qu'on est, on n'est pas beaucoup, hein, mais ceux qui l'ont, ils savent de quoi je parle. Hein. Ils savent de quoi je parle. Oh, salope, cochonnerie, voilà, c'est mieux. J'ai dit un autre gros mot.
Je suis aussi toujours en train de faire mes ventes. Alors, je ne vous montre pas l'atelier. Hein. Non, c'est Hiroshima. C'est Hiroshima. J'ai hâte d'avoir fini de trier, d'avoir vendu, que tout soit parti, et puis que je puisse ranger, et que je vois plus clair dans mon atelier. Ah, mais je vais finir par arriver au bout, hein. Oui. Je suis toujours en train de faire les commodes aussi. Je fais toujours plein de choses. Toujours plein de choses. Et là, j'ai mes toutous. Alors, tout le monde est malade. Ça a commencé par Jerry. Ça a continué par Pacha. Alors, ils sont malades, mais ils vomissent énormément. Alors, Jerry, ça s'est calmé. Pacha, j'ai passé la nuit. Donc, j'ai passé la nuit avec les deux pour les surveiller. Chouchou a repris la relève pendant la nuit. Moi, je suis partie me recoucher. Lui, il est venu, il a repris la relève au milieu de la nuit. Et puis là, ça commence à aller mieux. Bon, Pacha, il est un peu patraque. Et maintenant, c'est Fifi. Alors, je ne sais pas. Alors, moi, j'avais des géraniums dans ma cour. Et je sais que c'est toxique. Donc, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé tous mes géraniums. J'ai tout mis dans mon jardin, puisqu'eux n'ont pas accès au jardin. Chouchou a carrément passé. On a un gros aspirateur et un Karcher. Il a carrément passé aspirateur dans la cour pour qu'il n'y ait plus un pétale, plus une feuille, plus rien dans la cour. Parce qu'on se demande s'ils n'ont pas mangé des pétales. Enfin, c'est sûr, ce n'est pas les pétales qui sont toxiques, c'est les feuilles de géranium qui sont toxiques. Alors, s'ils ont mangé une feuille de géranium et qui se serait intoxiqué, on ne sait pas. Mais le problème, c'est que maintenant, Fifi est malade aussi, mais elle ne va pas dans la cour. Alors, je me demande s'ils sont. Pardon. S'ils se sont pas fait, s'ils font pas une gastro et qu'ils se sont en train, ils se la refilent l'un l'autre. Donc là, on attend. Et si demain ça va pas mieux, ben on va aller au véto. Mais là, bon, Géry, lui, ça va mieux. Maintenant, il pète la forme. À part qu'il a encore vomi un petit peu hier soir. Mais là, aujourd'hui, ça va. Pacha, il ne vomit plus, mais il est patraque, il est fatigué. Et maintenant, c'est Fifi qui vomit. Pire que quand on a des enfants. Mais bon. Donc, on verra. En tout cas, mes géraniums sont dans le jardin. J'ai dit, oula, allez hop. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, j'ai pas pensé sur le coup. C'est vrai que les géraniums, c'est toxique. Et sur le coup, j'ai pas pensé. Mais peut-être que c'est pas ça, hein. Peut-être qu'ils n'en ont pas mangé et que c'est juste une gastro qui se sont refilés. Et du coup, Chouchou a passé aspirateur partout. On a regardé, à moins, regardé s'il n'y avait pas des voisins qui avaient balancé un truc dans la cour ou quoi. Mais non, rien vu. Donc, voilà. Bon, allez. Je vous donnerai des nouvelles. Je vais vous laisser regarder la vidéo de ce nouveau DP. Et il y aura d'autres vidéos sur ce DP, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous. Bon visionnage.
Thank you.
Thank you.